Salut à tous, c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre et la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour un retour de brocante et franchement ça fait trop plaisir. J'ai trouvé pas mal de Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et franchement les ultra rares Pokémon, vous verrez, j'en ai un bon petit paquet cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous plaira, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien si ce n'est pas encore fait. Du coup, on est parti pour la présentation de tout ce que j'ai pu acheter. Franchement, ça fait trop plaisir. Donc, on va commencer déjà par ça. C'est un petit carnet, donc un petit classeur vide. Voilà, où on peut mettre, je crois, 180 cartes, même un peu plus. Voilà, donc normalement, c'est pour les cartes de catch, mais les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh, ça tient dedans. Voilà, donc super cool. J'y ai trouvé pour 2€. Hop là, je vais vous y enlever. Maintenant, alors là, voilà, ça, c'est un classeur de cartes. Et franchement, c'est vraiment le plus ouf de tout ce que j'ai pu trouver. On finira par ça parce que c'est vraiment exceptionnel, même de ce qu'il y a dedans. Dans le sens où, voilà, ça va compléter pas mal de choses pour mes séries, donc je suis bien content. Maintenant, je vais vous expliquer un peu, on finira ça, parce que ça, ça va un peu avec le classeur, je vous expliquerai après. Et maintenant, on va faire un petit peu ça. Alors, on va commencer par ce lot-là, donc je l'ai acheté à 12€ au lieu de 12 et quelques, je sais plus, j'ai pas beaucoup négocié, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'était 20 centimes la petite carte, donc avec un petit Krabos, Roigada, le Rhinophéros, Colossinge, Dardarnian, Excellent, Primplouf, le Tiplouf, le Mangriffe, l'Excellent, l'Octiri, le Psychoquack et le Cochignon. Et j'ai surtout acheté, voilà, c'est pour ça que ça monte aussi haut en prix. C'est un V-Star, donc Mewtwo, qui est sorti de booster de la série Pokémon Go, voilà. Donc voilà, j'ai pas ouvert de japonais, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, ça fait plaisir, je la trouve trop trop belle en plus. Voilà, donc j'étais content, plus vu qu'elle est sortie de booster, bah voilà, ça fait plaisir, hein. Donc je vais la mettre de côté avec le petit lot. C'est pas le plus intéressant. Ensuite, on va passer un petit coup à du Yu-Gi-Oh! Et du Pokémon. Alors, comme vous pouvez le voir, c'était 6€ le lot Yu-Gi-Oh! Et c'était 10 centimes ce petit lot Pokémon. J'ai négocié à 10€ le tout. Donc voilà, donc c'est plutôt correct. En gros, ça fait ça gratuit, puis 5€ le lot Yu-Gi-Oh! Vous verrez les lots Yu-Gi-Oh! Je vais les ouvrir juste après. On va commencer par le petit Pokémon. Alors, on a un Tops avec Abra, Chenipan, Goopix, un petit Salamèche. Ensuite, ça, c'est des cartes. Donc, c'est des cartes de Pocket Monster. Celle-là, je suis pas sûr qu'elle soit vraie. Par contre, celle-ci, c'est une vraie. J'en ai déjà dans ma collection. Bon, par contre, elle est vraiment abîmée. C'est celle de Salamèche. Moi, dans ma collection, j'ai celle de Dracaufeu. J'ai celle de Sacha et Ondine, je crois. Là, ensuite, ça, c'est des Lamine Cards, si je le dis bien. C'est des cartes, en fait, transparentes. J'ai même le carnet encore dans la collection. Donc, ça fait plaisir. On a le magnifique Wailord. Et on a le petit Galégon, le petit Libégon. Ensuite, on a ça. Alors, ça, je sais pas du tout de quoi ça sort, mais ça date de 2006. On peut voir la date ici. Voilà, donc c'est une carte. Alors, je sais pas si c'est un jeu de cartes, ce que c'est. Mais en tout cas, j'étais content. Une carte Fenard, c'est le Bloquex ici. Donc, ça fait plaisir en tout cas. Et là, il y a deux petites cartes Skylanders qui n'ont rien à voir. Mais voilà, pour 10 centimes le petit lot, moi j'ai trouvé ça correct, même si l'état est pas top pour surtout pour celle-ci. Mais franchement, pour ces quatre-là, ça fait plaisir. Et du coup, pour le Yu-Gi-Oh! Alors, je vais vous montrer les petits lots. Alors, nous avons un petit dragon noir aux yeux rouges, cyber dragon, on va avancer un petit peu, vous verrez, il y a quelques petites brillantes dedans. Petit spadassin, dommage qu'il soit bien abîmé, on va avancer. N'hésitez pas à me dire si je loupe une petite dinguerie, parce qu'on sait jamais. Vous verrez, moi j'ai surtout pris les lots pour une ou deux cartes que voilà, que j'étais content de trouver, puis j'ai pris le lot parce qu'il y a quand même de la carte dedans. Un petit cyber dragon Drake qui fait plaisir, le Bubbleman examen. Celle-ci, donc en SCGY, GW, pardon, JW, qui est une excellente carte. Moi j'aime bien, c'est la secrète de cette série, franchement elles sont trop trop belles. Voilà, donc j'étais super content, en plus c'est une carte de l'animé, donc ça fait plaisir. Ensuite, si on continue, on a celle-ci, les épées, on a le point de ferraille, on a la fusion des ténèbres, le retour de Néos, royaume vampire. C'est franchement, on a des belles cartes. Donc voilà, donc je vais passer assez vite, on s'arrêtera si c'est une bonne carte. Wabuku, avertissement divin, voilà, c'est vraiment des bonnes cartes à récupérer, tout ça, encore un Wabuku. Il y a ça, on a le dragon 46 avec Dragluion, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, franchement, le gros œil, voilà. C'est une carte que je voulais et bah du coup j'étais trop content de la trouver en brocante. Voilà, ça fait plaisir pour moi, je trouve c'est une bonne carte. Ensuite on a le petit cyber dragon jumelé, on a le cyber dragon XY, on a 2-3 petites cartes synchro brillantes. Voilà, franchement je suis content du lot, dites-moi ce que vous en pensez pour 5€, ça fait quand même pas mal de petites cartes quand même. Il y a 2-3 petites brillantes même si l'état est pas toujours au top. Ce lot là je l'ai surtout pris pour le gros œil. Pour vous dire, il y avait encore un seul lot Yu-Gi-Oh à 7€ où il y avait à peine plus de cartes en quantité, mais c'était pas top, il y avait pas beaucoup de brillantes, voilà, donc c'était pas top. Donc j'ai plutôt pris ces deux lots là, donc ça doit pas être, si c'est une bonne. Je dirais que c'était peut-être pas une vraie, mais voilà. Ensuite du coup j'ai pris ce petit lot là, je passe assez vite, hein. Chevalier pingouin, on a une petite dame harpie 2 qui fait plaisir. Ensuite on a ça, on a Sinistérique qui est une bonne carte à récupérer, ça ça fait plaisir également. Tac, alors on a quoi d'autre? On a ça aussi qui est cool, hop, ensuite on a ça, on a 2-3 petites brillantes. On a le petit cylindre magique, le dragon tonnerre final, on a le numéro 39 Utopie, on a le petit cyber dragon Nova également qui est super cool quand même à récupérer. On a celle-ci également qui est une carte qui cote quand même un petit peu, donc c'est cool.
surtout pour 5€, voilà, le lot, il y a ces deux petits guerriers, donc guerrier à réaction et le guerrier de poussière d'étoile. Voilà, donc c'est 5€ lot, franchement, il y a de la quantité, c'est cool. Ça me permettra de compléter un peu certains petits decks. Et en plus, donc voilà, ça fait quand même une bonne petite quantité de cartes Yu-Gi-Oh! Le gros œil, franchement, il m'a fait plaisir. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer au lot Pokémon qui est sur le côté. Je veux évidemment parler de ce lot-là. Voilà, donc j'étais content de le trouver. Et ça, en fait, c'est pour vous expliquer, c'est pas tout à fait à la brocante, mais c'est à la brocante que je suis allé rencontrer quelqu'un qui m'a vendu son lot. Et du coup, en fait, j'ai acheté 10€ le petit lot sous élastique et j'ai acheté 5€ l'ultra rare. Mais les ultra rares sont neuves sorties de booster. Pourtant, c'est de l'ancienne série. Enfin, elles sont neuves, voilà, en excellent, excellent état. Ça, voilà, c'est trop cool de trouver ça en brocante. Enfin, en brocante. En allant à la brocante parce que je connaissais la personne, mais pour de la brocante, on va dire. Du coup, on a un petit haut de légende. On a le petit méga Florizarre X d'évolution. On a une petite carte turbo avec le gant blast. Ensuite, on a le méga Dracaufeu. Celle-ci, elle est pas neuve. Voilà, il y en avait deux qui étaient pas si neufs que ça. Bah, celle-ci en fait partie. Donc, le méga Dracaufeu X, et je sais plus c'est laquelle l'autre. Volcanion X. Et ensuite, on a celle-ci qui est trop trop belle. Le Raikou et Sukin de Léon, je crois que c'est elle qui est pas tout à fait neuve aussi, mais elle est pas non plus abîmée, hein. Franchement, elle est en bon état général quand même. Mais voilà, franchement, c'est des cartes à 5€ pièce. Bon. Malgré ces deux petites cartes qui sont à peine plus abîmées, mais bon, même celle-ci, ça c'est pas non plus abîmée de foufou. Il y a surtout celle-ci qui a pris un peu cher. Mais voilà, j'étais content. Ça fait quand même un certain prix, 5€ l'ultra, mais vous verrez, vu ce qu'il y a là-dedans, bah, ça rattrape. Ensuite, on a eu le petit lot là à 10€. Donc, j'ai regardé globalement, mais j'ai regardé juste à peu près la première poignée. J'ai pris une pony comme ça, puis j'ai vu que c'était intéressant. On va regarder s'il n'y a pas une autre petite pépite. À mon avis, il n'y aura pas d'ultra, mais on va regarder quand même. On a quand même un petit Staros déjà en holographique, donc ça fait plaisir. Ensuite, on a celle-ci, le petit Tarsal de ex-gardien du pouvoir en reverse. On a le petit Fampi évidemment en reverse. Le Negapi, le Cisaiox, on va passer assez vite, le gros Drive. Ensuite, le petit Galopa, le Seracrawl, le petit Ekrapince. Oh là là, j'avais... Oh, mais j'avais pas vu oh. Et ben ça, franchement, je vous le dis, je l'avais vraiment pas vu. Et ben, on a un magnifique Tortank. Et en plus, il est en reverse. Et ça, c'est d'expédition, si je dis pas de bêtises. Et bah ça c'est une pépite. On a le magnifique Lucario X également, qui fait partie de la Pokébox il me semble. On en a encore une. Ah bah alors j'avais vraiment pas vu ça. On a le petit Krabby. On a le Rayquaza X en promo de la Pokébox. Ça c'est cool, encore une X du bloc X. Oh là là, c'est trop ouf, c'est trop ouf. On continue, j'espère qu'il y aura d'autres pépites comme ça. Bah j'avais vraiment vu vite fait la poignée, mais vraiment globalement, mais sans voir ça. Et bah je suis étonné, mais le Tortank, bah c'est une dinguerie, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous en pensez du lot, mais pour 10€, bah rien qu'avec ça déjà c'est ouf. On a le petit Topicker également qui fait plaisir, mais il y a plein de cartes là qui sont très très cool. Voilà, je vous les passe assez vite, on essaie de pas en louper une, parce que s'il peut y avoir des grosses pépites comme ça. Bon là il y a une petite espagnole, hop, voilà, bon il y en a plusieurs d'autres à enlever, hein, mais je ferai le tri moi tout seul après, parce que c'est compliqué d'y faire en vidéo. Alors on a un petit échange d'évolution, le petit Tabo, le Electek du Blockex, on a un petit Dracolos, ça fait plaisir. Ensuite, j'avance un peu. On a le petit Kaorin également qui est sympa. On ne la voit pas souvent celle-ci. Le Pangoléon, le Pyroli également de McDo. On a un petit Noniglali, on a le Elector. On a 2-3 cartes sympas. On a des Zolos. Hop, on avance. Les Kangourex. Le mini taupe de la série Kit de dresseur de noir et blanc. Donc je crois bien que c'est ça. Et ça, c'est cool. À récupérer. Hop, on avance un peu. Bah, ça, je ne sais même pas quelle langue c'est, mais c'est une fausse à mon avis. Je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être une autre langue. Mais à mon avis, c'est une fausse. On avance. Hop. Alors, on a une petite holographique avec le Darkrai. Ensuite, on a quoi d'autre? Le Lugia. On a le Gardevoir. Franchement, ça, c'est une très très belle carte. Voilà, j'ai pas l'habitude de l'avoir et je suis même pas sûr d'avoir dans la collection. Donc ça, c'est bien à récupérer. On continue. Le passe rouge. Ensuite, on a quoi d'autre? Le Yamega, ok. Le Makuta. Le Charpentier. Darkamin, en plus, en reverse. Ici, d'Offensive Vapeur. Bon, on a quand même des bonnes cartes, hein, malgré ici. Mais franchement, le début, là, je m'y attendais pas d'avoir des pépites comme ça. En plus de celle-là que j'ai payé 5€. Voilà, franchement, c'est cool. Ensuite, on continue avec le petit dernier petit lot de ce lot-là. Donc voilà, pour 10€ le lot, c'est une pépite. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce qui va suivre est une dinguerie. Alors attendez, ça arrive. Le petit Voltorb également d'Exemroad. Bon là, il y a pas mal de petites énergies. Il n'y a pas une pépite cachée dedans, non. On sait jamais. Hein. Le petit Arcanin quand même de XY12. Hop, on avance. Le petit Monsieur Mimon Reverse de Impact des Destins. On avance, on avance. Le Pijako, le Carapuce et l'Aigatueur. Bah voilà, le lot à 10€, il y a quand même une énorme quantité de cartes. On voit tout ça.
Et en plus, on a surtout eu ces trois cartes. De toute façon, vous l'aurez remarqué, mais c'est vraiment ces quatre cartes, même si celle-là, je la compte un peu moins. Mais ces trois cartes sont vraiment des pépites. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre préféré entre les trois. Moi, je dirais quand même le Tortank, l'illustration, je la trouve géniale. Donc ça, c'est cool. En plus, on avait ça avec, du coup. Et maintenant, on va passer à ça. Alors en fait, pour moi, c'est le plus ouf. Pas ça forcément, mais ça, c'est vraiment le plus ouf. Et en fait, pour vous expliquer, ils essayent de faire des full sets ou des collections de cartes comme ils peuvent. Et ils revendent leurs doubles ou ils revendent les cartes qui les intéressent pas pour en racheter. Et ça me fait penser un peu à moi au début, quand j'avais un peu de mal à avoir des cartes et à du budget. Je revendais mes petites cartes. Même si je les avais des fois pas en double, j'essayais de les revendre pour avoir un peu de sous pour acheter autre chose. Ça m'a fait penser à moi, donc j'étais content d'acheter à eux. Et du coup, j'ai acheté au prix qu'ils m'ont dit. Ça, c'était 10€ le lot. Et j'ai acheté à 10€. J'ai pas négocié. Comme ça, voilà, j'ai acheté au prix qu'ils voulaient. Ils m'ont fait penser à moi, donc j'étais un peu content de leur faire plaisir d'acheter. J'étais le premier client qu'ils aient eu. Donc voilà, donc j'ai pris. Donc là, c'était 2€ le petit lot ici. Voilà, je vous montre un peu vite fait, il y a un Glamblast, un Mistibule, voilà, donc j'ai pris, voilà, parce qu'il y avait deux petites rivers, il y a plein d'autres petits lots, j'en ai pris un pour le plaisir, pour arrondir à 10€. Sinon, j'ai pris un petit Typo Roi X d'Impact des Destins, j'ai pris un petit Macogneur Turbo, par contre, il a pris une bonne pliure ici, donc celui-là, c'est de la série, elle est où? Elle est ici, donc XY12 Evolution. On a celle-ci de Nymphalie, donc ça c'est du gardien ascendant, donc c'est cool à récupérer. Et on a un petit Pikachu de McDo que j'avais pas encore à mon avis dans la collection, elle me dit rien. Et alors attendez, la suite, voilà, donc là j'ai mis 10€ pour le premier, et là en fait je vais vous expliquer la suite, alors je vais décaler un peu le reste. Et du coup, le deuxième enfant, donc voilà, donc c'est ce classeur-là, donc un classeur Pikachu, je l'ai acheté avec. Et je vais vous montrer, voilà, vous avez, il y a beaucoup d'ultra rares, comme vous avez pu le voir, je vais vous le montrer comme ça. De toute façon, il n'y a que ces pages-là qui sont remplies, il n'y en a pas des deux côtés. Et en fait, ils vendaient, alors il y avait le Léviator qui était à 4€, et tout le reste, c'était 1€ l'ultra rare. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout le classeur, ça faisait 41€, je crois. Et au final, c'est lui-même qui m'a dit, 40€, je t'y laisse. Du coup, j'ai donné un billet de 50 pour 10€ pour le premier et 40 pour le deuxième. Mais dedans, du coup, je crois qu'il y a 37 ultra rares. On va regarder. Mais de toute façon, on recontera un petit coup à la fin. Mais on voit déjà le Léviator X, on voit le Mega Flagados, le Elzamina, le Félinferno, l'Electrode, l'Engloutirant, le Gardevoir. Alors, il y a 4 cartes qui sont vraiment en très très mauvais état, par exemple, comme ce Jirachi X. Mais tout le reste est quand même en état, on va dire, correct. C'est pas du bon état, enfin excellent état. C'est de l'état correct, c'est de l'état, voilà. C'est plutôt correct, moi je suis content pour compléter un peu les séries. Donc là on a le Florizarre X, Gardevoir X, on est une qui a pris aussi également, que je comptais dedans. Le Jancy, le Lucanon, le Magnézone, le Voltali, voilà, c'est cool d'avoir autant de petites ultras comme ça. Vous pouvez voir un peu les états là. Celle-ci, c'est voilà, c'est la Jirachi qui a pris. On voit à peu près l'état, c'est comme je vous disais. Ensuite, on a, voilà, c'est dommage, c'est Electrode aussi qui a pris un peu. C'est une des cartes qui a le plus pris. Donc c'est dommage. On a aussi l'Hospitalité d'Erika, Monsieur Garde, enfin Méga de l'Armoire, pardon. Le Gardevoir X, le Détermination d'Ondine, Clem, on a Fulguris, Darkrai. On a même une petite escouade avec Palkia, Jalga et Arceus. Donc voilà, ça c'est super cool à avoir. Et on a une dernière petite page d'ultra rare, donc on a une petite japonaise, on a un petit Galam, on a un petit Aquala GX, on a celle-ci qui sort de XY ou de noir et blanc, je sais plus. On a une petite ultra prisme, je l'ai compté comme ultra rare, mais c'est pas vraiment une ultra. Ensuite on a une Necrozma, on a une petite Darkrai, voilà, c'est la Darkrai aussi qui avait pris. Mais sinon on a un magnifique Tauros full art. Et du coup on en a 9, on a 18, on a 27, on a 27 plus 7 ultra rares. Du coup, ça nous fait 34 ultra rares pour 40€. C'est correct, ça fait du 1,10€ la carte. Après, c'est pas forcément des états, c'est plus des états comme celle-ci à peu près. Donc, c'est de l'état correct, mais c'est pas non plus du foufou. Mais en tout cas, moi, j'en suis très content. Et du coup, on a eu toutes ces ultra rares. Je sais pas si vous vous rendez compte dans ce retour. On a eu tout ça aussi également. Hop, je vous les remontre un petit coup. On a eu le Tortank, le Rayquaza X. Franchement, c'est vraiment génial. On a eu également le petit Lucario, on en a eu pas mal, franchement il y a eu vraiment des bonnes cartes. On a eu toutes les ultras aussi qui sont ici, là je vous les remontre un petit coup, voilà. Enfin, ça fait plaisir d'en avoir eu autant dans ce retour de brocante. Pour moi c'est peut-être le meilleur retour de brocante en termes d'ultra rares et en termes de Pokémon. Le Yu-Gi-Oh, franchement j'en suis très content grâce au gros œil et grâce même au lot, à la quantité et tout. J'espère que ce retour vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et sur ce n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur YouTube. Et sur ce... Ciao, ciao!